Monsieur Lalonde, bonjour. Collègue, merci de votre accueil. On va parler un peu de... C'est le premier candidat à la présidentielle à faire escale en Mayenne. Brice Lalonde a décidé de s'ébrouer dans la campagne en ouvrant le débat santé-environnement, un défi pour l'avenir. On ne s'occupe pas bien d'écologie. Moi, je suis très angoissé d'une chose. Il y a de plus en plus de tempêtes, de plus en plus d'inondations. Donc j'ai peur que le climat soit réellement en train de se détraquer. Si c'est vrai, ça veut dire que les candidats à la présidence et les futurs présidents de la République, ça sera une priorité d'éviter que le climat se détraque. Et c'est à Bouère, petite commune du sud-est du département, que l'ancien ministre de l'Environnement a entamé sa campagne en Mayenne, la même où vient tout juste d'être installé cet entrepôt de stockage de farines animales. C'est désolé, d'autant que c'est un peu le tiers de nos vaches. Sans doute c'est parce qu'on a fait des erreurs, donc arrêtons au plus vite ces erreurs, retrouvons de bonnes vaches nourries à l'herbe, c'est ça le secret, donc c'est sans doute moins de bovins à l'hectare, de l'herbe, du foin, et puis on sera tous tellement contents de manger de la bonne viande et on en gaspillera moins. Le président de Génération Écologie a ensuite poursuivi sa campagne à Laval autour d'un café débat. Il ne lui manque plus que 70 signatures pour être définitivement candidat à la présidentielle.